Donc, pour ce dernier monotalk du cycle, je suis extrêmement heureux d'accueillir un ami et un talent, un génie même, je pourrais dire. Ce sera avec le soutien de Make Sense, de Madines, d'Hello Tomorrow, de So Good et School Lab. Bienvenue, Yaron Herman. Le petit clin d'œil qu'on voulait faire, c'était qu'on a, à l'origine de ces monotalks, été sur le collectif. Et puis, le 2 juin, il y a à la. Comment dire, il y a eu le gouvernement qui a demandé à ce que le confinement soit levé. Et on s'est dit que dans les semaines ou les mois qui allaient venir, il faudrait faire jeu d'un peu d'improvisation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité te proposer de participer à ce talk très particulier. Donc encore une fois, bienvenue et merci de nous rejoindre. Plaisir. Et ma première question, elle est, est-ce que l'improvisation nécessite une forme de travail? Je crois que c'est Churchill qui disait qu'un discours bien improvisé était répété 10 fois. Est-ce que c'est la même chose dans ton monde, dans le monde de la musique? Oui et non. Disons que l'improvisation se prépare. Évidemment, elle est trop importante pour être laissée au hasard. Mais à la différence d'un discours préparé, l'improvisateur ne sait pas exactement ce qu'il va raconter. C'est-à-dire, il sait ce qui peut arriver, il ne sait pas ce qui va arriver. Hein. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Quand on développe une idée, un projet, on a toujours c'est une idée de départ, un idéal vers lequel on tend. Et ce qui se passe entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est la vie. Et avec ses imprévus, avec ses surprises, bonnes ou mauvaises, des contraintes intérieures, extérieures, etc. Et donc, c'est tout cet intervalle entre tout ce voyage, en quelque sorte, qui consiste, la partie la plus fondamentale du travail, en fait. Et c'est là où l'improvisation est capitale, parce qu'on doit s'adapter en permanence à ce qui se passe. On doit être à l'écoute, on doit vraiment trouver les outils appropriés au moment opportun pour faire face aux différents challenges et à différentes situations. Quand on parle d'improvisation, c'est difficile de ne pas parler de créativité. Et l'idée, c'est de dire, bon, pour pouvoir improviser, je suis dans des stéréotypes, mais je pense que c'est ce que tout le monde peut avoir en tête. Pour pouvoir improviser, il faut avoir une forme de créativité, donc une forme de talent, une forme de génie, je dirais presque. Est-ce que toi, aujourd'hui, enfin, on peut, enfin, je t'ai cité, je t'ai présenté dans ce sens-là, mais ce n'est pas une phrase qui vient que de moi. On voit, si on lit l'actualité et la presse. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un génie? Et donc, ce talent d'improvisation et ce talent de créativité, il n'était propre qu'à toi et à une certaine catégorie de personnes. Alors, la réponse est évidemment que oui. Non, je rigole. La réponse est bien sûr que non. Un de mes combats dans la vie, en fait, j'essaie d'en parler le plus souvent possible, c'est de dire non, la créativité n'est pas exclusive à quelques génies, c'est pas quelque chose qui appartient qu'aux artistes, aux entrepreneurs, aux gens qui ont réussi, entre guillemets. Et c'est pas quelque chose qui est définitif, c'est-à-dire que soit on l'a, soit on l'a pas, et si on s'auto-définit comme non créatif, c'est foutu pour nous, et vaut mieux léguer ça, essayer de sous-traiter avec des personnes créatives, d'ailleurs on les appelle les créatifs dans les boîtes, donc moi je suis pas obligé d'être créatif, j'appelle, il est où le créatif, c'est qui le créatif là dans la boîte, c'est qui a les bonnes idées, il est où Jean-Michel, tu vois, donc cette tendance qu'on a à mettre les choses dans les cases, à s'auto-définir comme créatif, pas créatif, plutôt artistique, plutôt scientifique, plutôt matheux, toutes ces cases artificielles qu'on est habitué à se mettre et on a fini par céder. Donc, pour moi, c'est des frontières qui nous empêchent de vraiment utiliser notre propre créativité parce que le problème est là, à la base. C'est pas comme s'il y avait des gens créatifs d'un côté et des gens pas créatifs. Pour moi, tout le monde est créatif, sauf qu'il y a des gens qui utilisent leur créativité et il y a des gens qui ne l'utilisent pas encore. Voilà. Et moi, si, par exemple, si on parle, tu vois, de tous les superlatifs extrêmement touchants que tu viens de dénoncer à mon égard, ça me fait très plaisir. Mais en même temps, je me dis, bah non, ce qu'on pourrait appeler mon talent, mon génie, etc., je l'ai bâti quasiment de A à Z. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette origine-là? Je crois que tu as commencé à faire du piano tardivement.
Et c'est une rencontre qui t'a amené sur cette aventure-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Oui, alors j'ai commencé le piano, comme tu as dit, à 16 ans, qui est normalement un âge fatal si on veut faire une activité telle du pianiste concertiste à haut niveau. Au départ, mon rêve était de devenir basketteur. Je me suis blessé malheureusement à l'âge de 15 ans et je me suis tourné vers le piano parce que je voulais apprendre à jouer les morceaux que j'entendais à la radio. Tu sais, il n'y avait pas une motivation extrêmement noble, tu vois, de devenir Mozart, Beethoven ou je ne sais pas qui. Il n'y avait pas de musique classique dans ma maison, chez mes parents. Il n'y avait pas du jazz, il n'y avait pas une sensibilité particulière. Sauf que, en voulant juste apprendre le piano pour le fun, je tombe un peu par hasard, ou le destin si on veut, sur un professeur vraiment exceptionnel qui avait développé une méthodologie très très différente de toutes les autres méthodologies qu'on a l'habitude de croiser quand on va dans des conservatoires, etc. Cette méthodologie était basée sur les mathématiques, sur la psychologie, sur différents aspects je dirais même, ça peut rentrer dans le cadre du développement personnel, en faisant les liens tout de suite entre l'élève, ses besoins, son monde intérieur et ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire que pour lui, le but, ce n'était pas de me dire, écoute, tu viens chez moi, je vais t'apprendre à jouer du jazz, je vais t'apprendre à faire de la musique classique. Il me dit, écoute, je peux t'apprendre un style, je peux t'apprendre un langage, mais c'est plus intéressant d'apprendre comment apprendre un langage. Du coup, cette matrice-là, tu pourras la transposer partout, c'est-à-dire qu'apprendre le piano a la même matrice qu'apprendre n'importe quoi d'autre. Donc, si tu sais mieux apprendre, tu pourras la transposer dans tous les aspects de ta vie. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que cette séparation entre les artistes, tu vois, les gens avec une vocation artistique, les scientifiques, etc., on a tous besoin d'apprendre à mieux apprendre. Et toutes ces choses-là se transposent et le mieux on se nourrit des autres, mieux on est, entre guillemets, créatif. C'est faire le lien, trouver le dénominateur commun entre les choses qui ont en apparence, sinon rien à voir. Voilà. Et toi, quand tu avais 16 ans, donc on t'a appris cette méthodologie, est-ce que tu as eu des... t'es tombé tout de suite dedans et tu as été tout de suite séduit par cela et tu étais entouré aussi de personnes qui étaient des génies. Est-ce que tu as eu une réticence particulière ou est-ce que tu es rentré dans cette mécanique assez facilement? Écoute, déjà, il y a eu une résonance émotionnelle importante. C'est-à-dire qu'au bout du deuxième cours, même si je ne comprenais rien, évidemment, j'étais clueless total au départ, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me titillait, qui vibrait avec moi. Tu sais, c'est comme quand parfois on voit une image et on ne sait pas pourquoi ça nous parle. Et pourtant, c'est très loin de nous. Où on écoute une musique et ça, du coup, ça fait quelque chose dans le corps, même avant d'aller dans l'esprit, dans l'intellect. Il y a une résonance. Et donc, j'ai senti quelque chose, comme s'il y avait plusieurs indices qui me disaient, tu sais quoi, tu vas creuser un peu plus là-bas. Mais au départ, évidemment, c'était extrêmement pénible parce que, tu sais, j'ai débarqué dans une classe de musique au lycée où il y avait des gamins qui jouaient déjà des concertos de Rachmaninov. Je me rappelle, c'était des mutants, Arnaud, des mutants. Il y a un gamin qui avait une oreille tellement absolue, il passait à côté de la pièce où il y avait toutes les imprimantes, et le jeu était de lui faire créer des morceaux à partir des bruits des imprimantes. Donc, il entendait, il allait au piano, il faisait des improvisations. Moi, j'étais là, genre, ok, bon, il y a du boulot, quoi. Donc, évidemment, au départ, c'était terrifiant. Ça me semblait impossible de rattraper le retard. Ce qui est à peu près notre cas à tous. Hein. Moi, je touchote au piano. Il suffit que je t'écoute une fois pour arrêter de jouer. Je me dis, c'est bon, c'est fini. Donc, comment tu fais quand tu as cette tension autour de toi et que tu te dis, bon, ok, en fait, ils ont l'oreille absolue. Ce sont entre guillemets, des génies. Moi, je commence tardivement. Quelles ont été les premières, les one steps, les baby steps? Comment est-ce que tu as fait pour avancer? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'une des raisons principales pour lesquelles on abandonne au départ, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est la comparaison. C'est de dire, oulala, je n'arriverai jamais à regarder l'autre personne qui joue tellement mieux que moi. Moi, je viens de débuter, je n'ai clairement aucune chance d'y arriver.
c'est à comprendre que la raison principale pour laquelle on crée, que ce soit un projet, que ce soit le développement d'une passion, on crée d'abord pour nous. À partir du moment où on part, on se met justement en dehors de notre propre processus en se comparant aux autres. Tu vois. Et ça peut être fatal. On connaît tous la situation quand tu es enfant, tu dessines un petit truc, tu es sûr que c'est un chef-d'œuvre, tu vas montrer ça à tes parents, ils font « Ah, c'est bien mon fils !» Et après, ton petit frère, ta petite sœur qui arrive avec un truc, et là, il dit « Ah, chérie, mais c'est incroyable ce qu'elle... » Il suffit d'un truc comme ça, où tu dis « Oh, en fait, je suis mauvais !» Et tu t'arrêtes. Donc, on est extrêmement sensible à ça, parce qu'on relie trop le résultat à notre valeur personnelle. C'est-à-dire que ce que je produis est corrélé à ma valeur en tant que personne. Et je pense que cette corrélation, surtout au départ, est extrêmement nocive. Et chacun a son processus. Ce que mon prof m'a vraiment aidé à comprendre, quand je lui disais, écoute, j'y arriverai jamais, regarde, il y a un tel qui fait ça, un tel qui fait ça. Moi, j'arrive à peine à faire une gamme de Do majeur sur un piano. Il me dit, ok, pas encore. Pour le moment. C'est-à-dire que si on arrive juste à mettre pour le moment à la fin de chaque phrase, je n'y arriverai jamais. Non, j'y arrive. Pour le moment, je n'y arrive pas. Ok, très bien. Et donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que la façon d'y arriver, ce n'est pas par des actions extravagantes, mais par un travail régulier, quotidien. C'est-à-dire par le développement d'une habitude. La raison pour laquelle la plupart de ces gars, les gamins autour de moi qui jouaient merveilleusement bien, déjà à 16 ans, la cause principale était qu'ils ont commencé à 3 ans, à 4 ans. Ils avaient des milliers d'heures de pratique, de plus que moi. Donc, ce n'était pas étonnant. Donc, il faut passer par là. C'est-à-dire qu'il y a une phase où il faut vraiment apprendre. Et c'est ça le problème. On a envie d'avoir les résultats tout de suite. Tu vois, et quand on ne les a pas, on dit ah, on n'a pas de talent, ce n'est pas pour nous, etc. C'est un vrai voyage temporel qui nécessite de la patience, de la persévérance, du grit, comme disent les Américains. Et voilà, comme c'est cette idée de baby step, c'est comme un enfant qui tombe. Tu as déjà vu un enfant qui apprend à marcher? Dans des vidéos YouTube, ouais. Tu vois, il commence, il fait deux petits pas, boum, il tombe. Tu vois, il se relève, il fait deux pas, boum, il tombe. Il peut faire ça 20 fois, et à aucun moment, les parents ils disent « Chérie, je crois qu'il n'est pas fait pour marcher. » il faut qu'on se mette dans cet état-là ou de se dire quand on commence à apprendre quelque chose, il y a cette phase-là où tu vas tomber, il faut juste se relever et continuer. Mais tout ça, ça participe quand même à se dire « Ok, je fais le choix d'un sujet. » Toi, tu as fait le choix de la musique. Et à partir du moment où je fais le choix d'un sujet, tous les jours, j'en fais un petit peu. Ce qui me permet de grandir. Mais je reviens sur ma question d'origine, c'était le choix du sujet. Ce n'est pas évident non plus pour un certain nombre de personnes qui peuvent être curieux de beaucoup de choses, de la peinture, de la musique, de la littérature, et de se dire, OK, il faut que je choisisse quelque chose et que je travaille ce chemin-là. Toi, dans ta vie, à la fois perso et de ce que tu vois autour de toi, comment est-ce qu'on fait pour... choisir son sujet, choisir son combat ou ce qui nous aligne. Est-ce qu'il y a un travail personnel à faire en amont ou est-ce que c'est une révélation d'un moment? C'est une question un peu délicate parce que d'une part, pourquoi choisir? C'est-à-dire pourquoi on doit se spécialiser? Après, pour des contraintes économiques, il faut que je trouve un boulot qui fasse gagner suffisamment d'argent pour que je puisse construire, payer mon loyer, etc. Ok, mais pourquoi on doit choisir une chose? Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué depuis notre plus tendre enfance. C'est que tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Tu veux faire quoi? Je sais pas. Je voudrais être magicien. Je veux faire de la musique. Je vais être pilote. Tu dis plutôt non, un truc. Pourquoi? En fait, on est. Après, je ne dis pas qu'il faut qu'on devienne tous des Léonard de Vinci, etc. Mais cette vision-là, qu'on doit choisir une chose en particulier et exceller dans cette chose-là pour être heureux, et pour, m'a toujours semblé suspecte. Après, le fait que moi, j'ai une résonance particulière avec la musique et que j'ai un peu sacrifié
beaucoup de choses, du temps et du travail et une énergie considérable que je déploie toujours au quotidien, c'est parce que j'ai une vraie révélation. Mais ça ne m'empêche pas de me nourrir d'autres choses. Pour moi, c'est capital. On peut travailler dans une start-up, on peut avoir sa boîte, qu'importe. Et on n'est pas obligé de quit your day job, tu vois. C'est ça ce que je dis. Ce n'est pas soit tu es artiste, soit tu es rien, soit tu es chef d'entreprise, soit tu es rien. C'est se nourrir au lieu de se divertir. On n'est pas une chose. C'est-à-dire, moi, je me sens toujours, c'est un peu étrange de dire ça parce que c'est mon métier. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Je suis reconnu par ça principalement. Mais quand on me dit, ah, Yaron Herman, pianiste, je me dis, ok, cool, pianiste. Mais je fais aussi plein d'autres choses, peut-être pas aussi bien. Mais l'idée d'être résumé à une chose m'a toujours semblé un peu bizarre. Et du coup, ça veut dire que ce que tu as appliqué pour apprendre le piano, tu l'appliques autour de toi pour d'autres choses et tu appliques les mêmes règles. Mm-hmm. J'ai une première question, quelles sont ces règles-là? Et une deuxième question, qui est une question de Dorit, qui est de dire quels sont les principes de l'improvisation musicale. Donc, première question, quelles sont les règles ou la matrice de créativité que tu t'appliques à toi et qui te permet d'aller aussi sur d'autres sujets, qui peuvent être la littérature ou d'autres choses? On peut passer, à mon avis, toute une journée à en parler de ces techniques-là qui vont éventuellement aussi répondre à la question de Dorit par la suite. La première chose, c'est la notion des jeux. Et ce qui est spécifique aux jeux, c'est le fait qu'ils sont basés sur les contraintes. OK? Quand on dit à quelqu'un, OK, j'ai besoin de quelque chose de créatif, donne-moi une idée. C'est un peu bizarre, c'est comme si je dis à quelqu'un, tu sais quoi, parle-moi en chinois. Quand il parle pas chinois. Si tu connais pas les règles, si tu connais pas le vocabulaire, si tu n'as pas des outils pour aborder un peu cette immensité de l'espace-temps, c'est un peu difficile. Donc, par la création des contraintes très simples, on peut se donner une plus grande créativité. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup avec peu. OK? Je te donne un exemple très simple. Une simple technique d'inversion. Si je te dis, OK, tu enfonces un clou avec un marteau, tu dis, OK, c'est normal. Mmh. Après, si je te dis, inverse les deux, tu enfonces le marteau avec le clou. C'est certes beaucoup moins pratique, mais si tu vois ça dans un musée, tu vois l'image de quelqu'un qui est en train d'enfoncer un marteau avec un clou, tu dis, OK, waouh, comment ils ont pensé à ça? Et c'est simple, parce que c'est une technique, c'est juste une règle que tu as dit, OK, je prends ça et j'inverse. Donc, des techniques comme ça d'inversion, des manipulations de matières premières, notre exemple, tu vois, Superman, par exemple. Tous les gens, ils portent leurs sous-vêtements sous le vêtement. Superman, il a inversé, tu vois. Il met ses sous-vêtements sur le vêtement. Et c'est simple, tu vois, tous les super-héros ont un problème avec les sous-vêtements, apparemment. Bref, il faut investiguer ça, tu vois. Le jeu, c'est ça, c'est de prendre... Une des règles, c'est ça, c'est de prendre quelque chose qui nous semble évident, rationnel, et d'inverser la logique. C'est ça que tu dis? Oui, ça c'est une technique parmi des milliers. En musique, par exemple, je sais pas si on a des musiciens qui nous suivent, mais ça veut dire quoi? C'est par exemple prendre trois notes et voir combien de possibilités on peut faire avec trois notes. Tu vois, sans répéter, sans faire do, 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 ré, 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 mi, mi. Tu vois, et comment tu calcules ça? Tu vois, par exemple, tu fais... Il y a six possibilités. Il y a do, ré, mi, do, mi, ré, ré, mi, do, ré, do, mi, ré, do, mi, do, ré. Donc, c'est les possibilités qui commencent par chacun des trucs. Si je t'avais dit, tu as combien de possibilités avec do, ré, tu m'aurais dit, OK, do, ré, ré, do, deux. Facile. Mais dès qu'on part à trois, c'est compliqué. Tu vois, sauf si on connaît la logique des combinatoires. Le système est très simple. Par exemple, tu fixes le do, tu ne le bouges pas et tu inverses le 2. Inverser 3, c'est compliqué. OK, fixe 1. Do, bouge pas. Ré, mi, ré. Très bien, fini. Ré, tu fixes le ré. Mi, do. OK, voilà, comme ça. Tu inverses. Donc, quand tu fais ça, tu peux maintenant faire la même chose avec trois couleurs. Tu peux faire maintenant avec trois formes différentes, un carré, un triangle et un rond, par exemple. Tu peux le faire avec je ne sais pas quoi, si tu fais de...
de la boxe, tu peux faire gauche, droite, jab, tu vois. Jab, plutôt. Ça, c'est underhook, whatever. Je fais semblant de connaître la boxe, tu vois. Je pourrais pas y répondre. Ça va être cool. Mais voilà, tu vois, c'est cette idée-là. Et après, un autre aspect important, c'est le pattern recognition. OK? Ça, c'est un peu la clé de l'improvisation, tu vois. Les grands improvisateurs font ça. Enfin, c'est comme ça que d'ailleurs on apprend le jazz, on apprend à reconnaître des sonorités, des accords, des harmonies, à reconnaître des motifs. Et ensuite, on joue avec. C'est-à-dire, tu apprends ce qu'a fait Charlie Parker, tu relèves la phrase à l'oreille, tu la rejoues presque pareil. Et après, tu dis, OK, il a fait ça. Et si je change une note? Et si je change deux notes? Et si je mets ça avant ça? Et si je mets ça avant ça? Si, voilà, donc c'est ce jeu-là avec la matière. Il y a un exemple que j'aime bien qui illustre bien le jeu de la créativité. Quel est pour toi, ou pour nos amis qui nous écoutent, le point commun entre une noix de coco et un cheval? Le crin. La noix de coco a l'espèce de poil machin et le cheval a du crin. C'est une réponse tout à fait acceptée. Autre chose, il y a des réponses ou pas? Est-ce que vous avez des réponses? Je répète la question. Quelle est la ressemblance entre une noix de coco et un cheval? Vous avez 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ça y est, 2, 1, 0. Alors, on y va. Il y a la couleur, il y a la rugueur, je pense que c'est la rugueur, le D doit être un invité, le C, les poils, donc ça je suis plutôt d'accord avec la personne qui a écrit ça, le lait de coco et le lait de jument, bien joué, ou au théâtre on coupait la coco pour faire le son des sabots, d'accord. Ben voilà. Il manque pas mal d'imagination là. Tu vois, et la dernière réponse est très intéressante. Ça doit être quelqu'un qui connaît Monty Python, parce que c'est une référence à Monty Python. Dans le film The Quest for the Holy Grail, tu vois, La Quête du Graal, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est un film qui a lieu au Moyen-Âge, qui raconte un peu l'histoire du roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde, etc. Et normalement une grosse production, sauf qu'ils n'avaient pas de budget du tout et ils ne pouvaient pas avoir des chevaux comme ça pour toutes les scènes, donc ils se sont dit, ok, comment on va faire? Et ce qu'ils ont trouvé comme solution créative, c'est couper des noix de coco, galoper de façon totalement absurde en imitant le cheval, en claquant les deux bouts de noix de coco entre les mains en faisant le bruit des sabots. Donc ce qui est extrêmement créatif. Alors, comment ils ont fait, tu vois, pour trouver ça? Par exemple, la créativité vient souvent en se posant les bonnes questions. Tu vois, donc si je te dis, ok, tu prends la question, comment fait un cheval? Tu vois, et tu me dis, tu imites le bruit d'un cheval, ou tu dis, ok, ouais, quand il marche, les sabots, ça fait ça. Et si je te dis, quel bruit fait une noix de coco? Tu me dis, ok, bon, je sais pas. Tu peux la secouer, ça fait un bruit, après tu la coupes, ça fait un bruit. Donc et là, tu as déjà la réponse. Mais pour arriver à poser la bonne question de dire comment fait une noix de coco, quel bruit fait une noix de coco, c'est là où il y a un saut dans l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est là où tu dis, ok, tu transposes la même question sur quelque chose qui n'a rien à voir. Parce que tu n'attends pas d'une noix de coco de faire un bruit. C'est-à-dire que parfois, le dénominateur commun et la solution qu'on cherche se trouve dans une grille de lecture qui est un peu souterraine, mais qui existe. Et c'est à nous de faire une espèce d'archéologie de l'idée et aller enlever les couches de terre et révéler en fait la solution inhérente déjà qui se trouve devant nous, sauf qu'on ne la voit pas. Et Arthur qui dit, il y a une vidéo sur le même sujet tirée d'un tournage de New Morricone, Sergio Leone. Si Arthur, vous pouvez mettre le lien dans le flux, ça peut être marrant. Ok, donc deux, pattern. Donc, attends, tu as dit...
Tu as dit la première chose, c'était le jeu. Le jeu, les contraintes. Voilà, le jeu des contraintes. La deuxième, c'était… Pattern recognition. Exactement. En se posant les bonnes questions. Ça marche d'ailleurs pour la même chose. Ce n'est pas que pour la musique, pour créer, etc. C'est… Pattern recognition, c'est savoir anticiper. C'est-à-dire un improvisateur, quand il monte sur scène, par exemple, un bon improvisateur, quand il joue quelque chose, il sait déjà, il connaît la forme, il sait ce qui va se passer à la mesure 17, à la mesure 1. Il ne sait pas exactement ce qu'il va jouer, mais il sait se situer par rapport à la forme, par rapport au changement d'accord, etc. C'est qu'il chapitre tout ça, ça c'est un Keith Jarrett, quand il fait une improvisation, tu dis, il sait où il va, mais est-ce qu'il a des chapitres en tête? Il a forcément des chapitres en tête. Je ne sais pas à quel point ils sont plus ou moins définis en amont, mais c'est clair qu'il a des habitudes d'entendre certaines façons d'enchaîner des harmonies, tu vois, de trouver certaines solutions. C'est des habitudes qu'il a cultivées en travaillant très, très dur tous les jours depuis des années. Et c'est une habitude presque de... Ce n'est pas une habitude forcément intellectuelle, parce que quand tu es dedans, tu ne réfléchis pas. C'est une intuition qui se révèle après des années de travail. Je voudrais qu'on écoute, on va prendre juste une minute pour écouter un des morceaux que tu as fait, et puis peut-être revenir dessus par la suite. Alors attendez, je vais vous mettre le son. J'espère qu'il va être bon. Et si vous mangez, arrêtez de manger. Je vous le mets pendant une minute. Ça s'appelle Os Shalom, pardon. De l'album Variation. Le son, j'imagine, n'est pas hyper terrible pour tout le monde. J'en suis désolé, mais je voulais qu'on revienne sur ce morceau. Comment est-ce qu'il a été composé, ce morceau? Comment est-ce qu'il est né? Il est né, c'est un morceau traditionnel, en fait, que j'ai arrangé pour l'enregistrement de cet album. Rien de particulier à signaler. Il est né de façon très naturelle, naissance naturelle. Tu te poses devant ton piano, tu fais, comme tu l'as dit tout à l'heure, deux, tu commences par une mélodie, puis ensuite les choses arrivent doucement. Alors, c'est, encore une fois, c'est forcément du travail, mais est-ce que tu peux, pour nous qui sommes pianistes en herbe, est-ce que tu peux nous donner quelques clés de la composition d'une telle harmonie? Comme ça, non. C'est très difficile. Wow. On se met tous autour d'un piano virtuel et qu'on parle musique, mais je ne sais pas à quel point c'est pertinent à cet instant pour tout le monde, en fait, tu vois, parce que ça va geeker à max, sinon, tu vois, non. Mais globalement, là, tu as un thème de base. C'est comme si je te donne un sujet qu'on va aborder et ensuite, je me dis, OK, comment je mets en lumière certaines parties. Tu vois, il y a cette introduction avec deux notes, donc je me dis, OK, il faut une introduction. Donc, je prends la première note la troisième note de la mélodie, j'ai dit ok, je vais la doubler, créer une petite intro, mettre dans le mood, etc., une préparation, ensuite le thème qui arrive, qui présente un peu le thème principal du morceau, et ensuite le morceau, voilà, j'essaie de le partir un peu ailleurs, etc., pour revenir à la fin au thème et revenir pour clore le morceau à ce motif du début, créer une espèce de narration, une montée, tac, et on se retrouve tous, on se fait un câlin, et c'est tout. Ma question était tout à fait pertinente, cher Yaron. C'est compliqué d'expliquer des trucs comme ça, sans piano. Et on peut malheureusement pas trop... Valia vous a donné des liens, on ne peut pas trop faire l'exercice du piano sur Zoom. Ouais. On a tenté, c'est assez misérable. Donc on ne préfère pas vous renouveler l'opération. Une autre question, c'était... je crois que tu as fait une rencontre... qui a été important pour toi
dans ce chemin de créativité et d'improvisation qui s'est passé en Asie, je crois, où tu as rencontré quelqu'un qui t'a donné une autre clé de travail et qui peut-être pour nous, dans le quotidien et dans ce qu'on va vivre chacun d'entre nous dans les mois et les semaines à venir, me semble assez pertinent. Oui, c'était une grande leçon en ce qui concerne l'apprentissage de manière générale. J'étais parti en Chine pour faire une tournée. C'était ma première tournée en Chine. Et depuis mon enfance, je suis passionné par les arts martiaux. Et j'ai demandé si c'était possible d'assister à un cours de Kung Fu. Et j'ai une amie qui habite là-bas qui m'a dit, écoute, ça tombe bien. Je vais prendre des cours de Kung Fu et mon maître, il n'est pas loin. Il est un peu à l'extérieur de Pékin. Si ça te dit, c'est 2 petites heures en voiture pour aller le rencontrer. Je dis, super. Donc, j'arrive dans l'atelier de ce monsieur-là, grand maître de Kung Fu. Et dès qu'on arrive, on voit des gens en train de pratiquer le Tai Chi très, très lentement. Et ils nous accueillent comme ça. Et en fait, voilà, je m'attendais. Tu sais, on a tous un cliché d'un maître de Kung Fu, Mr. Miyagi, wax on, wax off, comme ça. Là, c'était un mec, 45 ans, d'apparence assez ordinaire, avec des petites tongs, comme ça, une espèce de petit pyjama traditionnel. Et il me dit, écoute, asseyez-vous. Et il commence à nous montrer, faire défiler les élèves, donc, qui font des démonstrations avec des sabres, avec des éventails, toutes les armes traditionnelles. Et je lui dis, moi, je suis ébloui, c'est extraordinaire. Tu vois, il y a une fluidité dans le mouvement, il y a une capacité à rendre des mouvements extrêmement complexes, simples. C'était fou. Et je lui dis, écoute, est-ce qu'il y a des choses que moi, je peux pratiquer, tu peux me montrer deux, trois trucs comme ça, mais je ne connais rien, mais au moins, pour que j'ai un peu un petit truc que je pourrais faire. Et là, il me dit... Il tend sa main comme ça, il me dit frappe-moi. Et là, je dis ok, boum, je lui donne un coup dans la gueule. Non. Donc, je frappe sa main. Il me dit ok, plus fort. Là, je dis oh, ok, plus fort. Là, je ne vais pas le faire. Mais il me dit ok, plus fort. Et là, je dis ok, sorry, I don't wanna get into trouble with you. Et il me dit ok, tu vois, quand tu frappes avec la force. Maintenant, regarde-moi. Je me regarde droit dans les yeux. Une seconde après, son pied m'arrive ici. Un coup de jambe, tac, son pied arrive ici. Et du choc, moi, j'ai reculé d'un mètre. Et j'ai dit, mais attends, mais comment tu as fait ça? Et là, il m'a expliqué un truc très... que tous les gens qui pratiquent les arts martiaux savent. C'est que ce n'est pas la force, c'est la vitesse. En fait. C'est la vitesse de l'intention. C'est comme si tu prends un choc électrique et le mouvement, il part. Tu vois? Et qu'il part des pieds, en fait. Il part de la terre. Ça vient pas d'ici, ça vient pas du haut, c'est tout un mouvement. Et en fait, il m'a expliqué que pour arriver à cette rapidité, la meilleure manière de pratiquer est de travailler extrêmement lentement. C'est pour ça que le Tai Chi et le Kung Fu sont un peu jumeaux, c'est un peu la même chose. Donc le Tai Chi très lent, très intérieur, le Kung Fu très extérieur, très explosif. Donc, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire quand tu travailles, et après, ça s'applique à tout processus d'apprentissage. Le plus on est présent dans les phases du début, dans les choses qui nous semblent répétitives, dans les choses qui nous semblent trop lentes, parce qu'on a envie que ça aille plus vite, on a envie de voir le résultat tout de suite. Globalement, la meilleure manière d'aller plus vite, c'est aller plus lentement. En étant présent dans chaque mouvement. Donc, quand je suis rentré chez moi à la maison, quand je travaillais mes gammes, que j'ai détesté faire. Qui aime faire les gammes, Steve? Donc, je me suis imaginé en train de faire du kung-fu. Tu vois que chaque transfert de poids entre chaque doigt était comme le transfert du poids du tai-chi, où tu vois les mecs qui font... Tu vois, je me suis imaginé vraiment en train de faire du kung-fu. Que c'est en fait... J'ai joué très lentement, mais j'ai pensé rapidement. Et c'est très intéressant de faire cet exercice-là, de faire les choses lentement en pensant rapidement. C'est un peu conceptuel. Mais en appliquant son imaginaire dans les phases répétitives, dans les phases où tu dis « c'est tellement chiant »,
c'est là qu'on change de regard et que les choses deviennent ludiques et on prend du plaisir, même dans les choses qui semblent voilà, un peu lassantes comme ça, a priori. Et ça veut dire que ça, bon, ça t'a aidé pour ta musique, ton métier, on va dire, mais ça t'aide également sur d'autres choses. Est-ce que ça te donne une... Enfin, je pense que ça, forcément, ça me fait penser à des logiques ou à des travaux type la méditation, ces moments en fait, où on demande aux gens de se retrouver un peu hein, avec eux-mêmes. Et c'est un peu ma boucle sur la créativité. Est-ce que cette créativité nécessite un temps, enfin, de se donner du temps et offre un regard un peu différent, plus lent, plus apaisé aux choses qui nous entourent? Je ne sais pas si ça offre un regard apaisé, en tout cas ça offre un regard différent ou plus varié sur les apparences, c'est-à-dire que tu passes au-delà des apparences. Le but, enfin, pour moi, la créativité peut produire un bien-être, mais le travail au quotidien n'est pas toujours plaisant. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est difficile. Sinon, tout le monde serait extrêmement créatif et on serait tous en train de jouer des instruments et construire des boîtes et changer le monde. Le problème, c'est que c'est difficile. La plupart du temps, c'est vraiment dur. On est confronté non seulement aux obstacles qui viennent du monde extérieur, les contraintes de moyens, de temps, les accidents de la vie, les pandémies, les crises économiques, etc. Donc, des choses qui ne dépendent pas forcément tout de suite de nous là. C'est un vaste débat, mais comme ça, non. Et des choses intérieures, c'est-à-dire que pourquoi à chaque fois je prépare tout le matos, tout est prêt, j'ai mon beau cahier, j'ai mon ordinateur, j'ai bloqué une journée pour le faire. Quand le moment arrive, je trouve autre chose. Ah non, en fait, non, et je fais de la recherche sur Google, je fais encore de la recherche. C'est comme si je suis dans une phase de digestion d'un repas qui n'a pas encore été mangé, tu vois. Donc, on a tous des mécanismes de résistance intérieure. Tu vas aller là où on doit aller. Tu vois, c'est pas que ne pas juste faire notre boulot. C'est-à-dire qu'il y a une couche plus profonde dans la créativité. C'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est retrouver la chose qui nous est unique, qu'on doit faire. Ça se trouve, c'est très, très loin de ce qu'on est en train de pratiquer dans sa vie quotidienne. Et pour mettre le doigt sur ces choses-là qui nous sont propres, il faut, en effet, savoir aménager un espace et du temps dans lequel on est seul. C'est-à-dire que si on est tout le temps débordé, on ne risque pas d'entendre quoi que ce soit. Si tu vas dans une salle de cinéma où les gens ils traversent devant l'écran, la lumière est allumée et tout le monde crie, tu ne risques pas de comprendre de quoi parle le film. Tu vois. Donc, c'est pour ça, noire salle, silence, tout le monde se tait, on regarde la même chose et on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, toute cette phase-là nécessite évidemment une introspection. Ça boucle avec une question de Joël, qui est de dire, au-delà des techniques d'apprentissage et de créativité, qu'est-ce qui favorise ton flow? Qu'est-ce qui te permettrait de créer ces moments d'épiphanie? C'est un peu ça, en fait. Si tu te retrouves avec toi-même, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Après, évidemment, les choses qui facilitent le flow, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que le flow, comme l'inspiration, on ne peut pas les maîtriser. Tu vois, c'est des choses qui nous arrivent. Par contre, on peut se mettre en condition de. Et se mettre en condition de, c'est déjà développer une habitude créative, aménager son temps pour ne pas être dérangé. C'est-à-dire de vraiment respecter le temps. Le temps est sacré. C'est la seule ressource qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas, voilà, on peut pas récupérer. C'est fini. Ton temps est passé, c'est fini. Basta. On ne peut pas retourner en arrière. Donc, le temps. Ensuite, de me nourrir en permanence de différents sujets. C'est-à-dire que pour moi, en tant que créatif, un musicien ne peut pas vivre que de musique et d'eau fraîche. Si un artiste veut avoir quelque chose à dire, pour moi, c'est pareil, à mon avis, pour beaucoup d'autres disciplines. Il faut se nourrir d'une pléthore de disciplines. Le plus éloigné de la nôtre, le mieux. C'est-à-dire que pour moi, lire sur l'architecture fait de moi un meilleur musicien. Lire la philosophie fait de moi un meilleur être humain.
m'intéresser à l'histoire, la même chose. Bon, bref, donc, toute cette idée-là que si tu vas à l'école d'ingénieur, tu vas apprendre beaucoup de certaines disciplines et pas d'autres, parce que ça, c'est pas pour les gens qui vont à l'école d'ingénieur. Ok, mais tu vois, pour moi, c'est cette idée-là de ne pas se mettre dans une case. C'est pas tout ou rien. C'est de se nourrir en permanence. Et c'est parfois, dans ces moments-là, en prenant un élément qui vient de totalement d'une autre direction, tu te dis, mais quel rapport entre mon projet d'énergie renouvelable et mes cours de salsa? Peut-être quand tu iras dans les cours de salsa, c'est peut-être pas le pas de salsa ou la jolie partenaire qui va t'inspirer, mais c'est peut-être un moment, après le cours, tu vas te poser, tu vas... Il y a un espace qui s'ouvre, il y a une ouverture qui arrive, et là, peut-être une nouvelle idée peut se manifester. C'est-à-dire cette idée-là de ne jamais rester immobile dans ses centres d'intérêt, dans ses recherches, dans ses passions. Ça peut aller assez loin. Enfin, juste, c'est pas mon talk en particulier, mais ça me résonne, et peut-être que chez les gens, ça va résonner sur d'autres moments de leur vie. Mais je me souviens, moi, j'ai fait du droit, et où il faut beaucoup apprendre en droit. Et je me suis rendu compte que le moment où j'apprenais le mieux et je digérais le plus d'éléments d'information, c'était lorsque j'apprenais en même temps de la poésie. Ce qui était assez étonnant. Et donc, ça veut dire que toi, ce que tu dis, c'est que pour être créatif, il faut aborder tous les sujets, ne pas se mettre dans une case, travailler ses baby steps, c'est-à-dire y aller petit à petit, être persévérant, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, et puis avoir de la méthodologie. Ouais, absolument. Et en fait, c'est vraiment une habitude. C'est une façon de... C'est ça que je voudrais en venir. Quelle hygiène de vie tu as pour pouvoir faire ça au quotidien? Écoute, mon hygiène de vie... en fait, moi, j'ai une routine assez stable depuis des années, en fait. Donc, c'est plusieurs heures de piano par jour. Ensuite, j'ai identifié les moments de la journée dans lesquels je suis le plus productif. Et j'essaie d'identifier à quel moment faire chaque tâche. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui nécessitent plus de concentration. Donc, je bloque le moment de la journée, souvent le matin, où je suis le plus productif et le plus focused. Ensuite, dans l'après-midi, je sais que j'ai encore de l'énergie mentale et physique. Donc, je peux faire des tâches, mais ce n'est pas pareil que le matin où je suis vraiment hyper sharp. Après, il y a des gens qui sont extrêmement sharp la nuit, donc ça, c'est peut-être les tranches de temps qu'il faut qu'ils bloquent pour faire le travail qui est le plus conséquent. C'est-à-dire, il faut savoir identifier nos tendances naturelles, nos inclinaisons. Il y a des gens qui sont extrêmement productifs le matin, il y a des gens qui sont extrêmement productifs le soir, et savoir quel type de travail faire à quel moment. Donc, faire vraiment un time audit, tu vois. Regardez votre temps. Qu'est-ce que je fais des mesures les plus productives? Concrètement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est dans le moment où je ferais mieux de créer ou de réfléchir à mon projet, je suis en train de faire de la comptabilité, tu vois? Ou je suis en train de faire des exercices mécaniques que je pourrais faire à l'après-midi qui nécessitent un peu moins d'imagination. Donc, savoir reconnaître un peu le relief de son attention, de ses sensibilités sont extrêmement importantes. Et après, voilà, il faut trouver... des manières aussi de se battre contre les résistances intérieures. Tu vois, tout ce qui nous empêche au quotidien de faire ce qu'on doit faire, la paresse, la peur, une infinité de manifestations, la rationalisation, la procrastination. Voilà, y a tout ça qui vient à notre rencontre dès qu'on a une idée, quoi. De toute façon, c'est une énergie tout aussi puissante qui change de visage tous les jours. Parfois, c'est « ah non, je ne peux pas parce que... j'ai un deadline, ah non, là je peux pas parce que j'ai pas encore l'ordi qu'il faut. » En fait, voilà, il faut savoir aussi, c'est le jeu intérieur, en fait. C'est le jeu intérieur entre nous et nous-mêmes, c'est la distance à parcourir entre notre idée et le résultat, c'est à l'intérieur de nous. C'est un peu, ça rappelle un peu une forme de rigueur sportive. C'est une rigueur pour chaque apprentissage de haut niveau, en fait, chaque apprentissage tout court. Même quand le bébé il marche pour la première fois, il n'est pas en train de checker combien de likes il a sur TikTok, tu vois, ou sur Instagram, tu vois, il n'est pas en train de tweeter pendant qu'il marche, il est 100% focus, quoi. C'est la pratique délibérée, c'est une intention délibérée dans chaque pas, c'est sa vie, tu vois, il ne fait que ça. Et donc, si on arrive à être focalisé comme ça, quand on travaille, quand on essaie d'établir de nouvelles habitudes, c'est comme ça qu'on risque d'y arriver. Est-ce que ça te, ça,
ton rapport aux gens, est-ce que ça a transformé ou ça change ou ça modifie ton rapport aux gens? Donc là, je parle de Yaron Herman en perso. Est-ce que cette créativité, ce travail que tu fais sur toi, tu as l'impression en fait, qu'autour de toi et les gens que tu choisis, est-ce que ça donne une lecture des personnes un peu différente? C'est difficile. Je ne pense pas qu'il y a un lien automatique entre les deux. Je pense que pour un peu peut-être développer ses rapports au monde, son rapport au monde et aux autres, il faut déjà évidemment se connecter à soi et se poser des questions et faire une introspection. Et ensuite, de réaliser que chacun est sur un chemin, sur un voyage personnel et que chacun a son rythme. Après, c'est des clichés horribles que je suis en train de dire, mais c'est globalement, il n'y a pas un lien direct entre mon travail. Même si tu pourrais dire, oui, il y a de l'écoute, il y a de l'anticipation, il y a le respect du silence, il y a l'observation. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Je pense que la psychologie humaine est transposable dans tous les métiers et toutes les disciplines et qu'on peut être un grand créatif et un connard. Tu vois, c'est une grande créativité n'est pas forcément une garantie ni de gentillesse ni de bienveillance générale. Et tu parles du respect du silence. Je ne veux pas forcer le trait, mais le silence pour toi est une note, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu sacralises dans une partition. Et je dirais, je m'avance peut-être sur un terrain miné, mais le silence dans une conversation, le silence dans un échange global, peut-être que toi, tu as une interprétation ou un regard qui est une sensibilité qui est différente là-dessus, alors qu'il n'est peut-être pas celle de tout le monde. Je ne sais pas. Je pense que ça, c'est vraiment un travail au quotidien. Que même en étant très créatif, ça peut être très très difficile parfois de maîtriser ses passions, maîtriser. Quelqu'un parle et tu as envie de lui répondre tout de suite au lieu de lui laisser terminer sa phrase, tu vois, parce que toi tu connais la réponse ou ah non, c'est pas possible, il faut l'interrompre, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc, ça, ce genre de choses, c'est un travail individuel évidemment de maîtrise de ses passions, de ses émotions, de bouillonnement d'émotions qui, à mon avis, voilà, doit se faire. Si les gens souhaitent, de manière générale, de travailler sur ça, quoi. Et du coup, le rapport à la souffrance, souvent on associe la créativité ou le génie créatif à une forme de souffrance et de douleur. Toi, tu le dissocies, ça ? Totalement. Je pense qu'il y a énormément de gens qui souffrent, qui ne sont pas du tout créatifs, tu vois. Donc, ça veut dire que la souffrance n'est pas exclusive aux artistes ou aux gens qui essaient de faire des projets monumentaux. On est tous en train de vivre plus ou moins des choses. Mais est-ce qu'elle permet d'être plus créatif ? Est-ce que cette douleur, cette souffrance est un alimente en fait cette créativité et même cette improvisation au quotidien en fait ? Disons que la créativité ou en tout cas la création est l'expression de quelque chose. Ok ? C'est une mise en forme d'une énergie ou d'un sentiment ou de quelque chose qui nous habite. Après, si on n'a rien à dire, évidemment, ça va être moins intéressant que quelqu'un peut-être qui souffre énormément et qui essaie de l'exprimer. C'est-à-dire que ça va au moins, il y aura une passion, tu vois. Pour être passionnant, il faut déjà être passionné, tu vois. Il faut être capable d'être ému par quelque chose pour ensuite émouvoir ou le communiquer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui te parle des émotions en étant comme ça, tu vois. On a assez des politiciens pour ça. Mais il n'y a pas pour moi, ceci dit, un rapport direct entre la souffrance et la créativité. Tu vois, c'est au contraire, pour moi, la souffrance et la dramatisation, cette idée de romantique de l'artiste maudit et compagnie, est extrêmement nocif. Tu vois, c'est resté dans la culture populaire parce que c'est très photogénique, tu vois, et c'est très romantique, etc. Mais la plupart de grands maîtres, même s'ils ont eu des vies très difficiles, je ne pense pas que c'était. C'est-à-dire qu'ils seraient créatifs même s'ils n'avaient pas eu des vies aussi difficiles, tu vois. Je pense que Mozart aurait continué à créer quoi qu'il arrive. Malheureusement, il est mort, tu vois, à 32 ans, je ne sais pas quoi, tu vois. Donc, ce n'est pas, pas forcément. Scalable, quoi. Tu peux pas dire c'est comme ça. En fait, le plus je souffle, le plus je vais être créatif. Au contraire, on l'associe à l'hypersensibilité quelque part. Et si tu as une hypersensibilité, quelque part, donc tu es
tu vas avoir un regard différent sur les choses, donc tu vas être plus créatif et tout. Mais d'un autre côté, c'est aussi, tempéré par ce que tu disais tout à l'heure, ce sont des bourreaux de travail. Donc il y a un peu un iota entre les deux. C'est que, est-ce que c'est dissocié ou est-ce que la souffrance permet d'être plus créatif? Je sais pas. Pour moi, la souffrance ne permet pas d'être plus créatif. Pour moi, la souffrance est une énergie très puissante. C'est-à-dire que, après, la souffrance, c'est un vaste sujet. Qu'est-ce que c'est la souffrance, tu vois? Est-ce que c'est la souffrance, c'est une véritable souffrance ou c'est nous qui ressentons une souffrance? C'est comme être seul et la solitude. On peut être entouré des gens et se sentir très seul. Tu vois, on peut être entouré, avoir de la réussite et souffrir. Tu vois, on peut être Amy Winehouse, célébré partout dans le monde, des pop stars, des gens très très riches, mais qui vivent une vie horrible. Ils souffrent au quotidien. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à souffrir? Ils ont des milliards de. Ils sont riches, beaux, célèbres, tout ce que tu veux, quoi. Ils souffrent. Donc la souffrance, c'est quelque chose de très individuel qui est lié avec la justesse de notre alignement avec nous-mêmes. C'est-à-dire que tu peux avoir une réussite, mais si tu n'es pas aligné avec quelque chose de profond chez toi, qui est voilà, tes valeurs profondes, ce décalage-là va faire que tu vas forcément peut-être mal vivre cette réussite ou mal vivre le chemin. Mais il n'y a pas un rapport direct. La créativité ne se nourrit pas de la souffrance. Elle arrive à survivre malgré la souffrance. À la limite, elle peut sublimer la souffrance. Mais voilà, il n'y a pas de rapport direct. Voilà, direct. Je crois que tu écris un livre en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu as le droit ou pas? J'ai le droit. J'écris un livre en effet sur la créativité et sur un peu mon parcours dans la musique et à quel point voilà, les principes que m'ont été enseignés peuvent être transposés dans toutes les autres disciplines avec la méthodologie de la créativité que moi j'ai appris vraiment dès le départ et voilà, en essayant de faire le lien avec plusieurs autres disciplines en gros de dire à tout le monde vous pouvez le faire quoi. C'est venu ensuite quand je sors de scène parfois il y a des gens qui viennent me voir en me disant ah, quelle chance tu as d'être exprimé comme ça librement, oh là là, qu'est-ce que j'aurais adoré de savoir jouer comme ça du piano. À chaque fois, je suis là, mais ok, mais faites-le. Donc là, non, c'est trop tard. C'est... Ah oui. Ok, bon, bref. Donc il y a tous ces trucs-là autour de la créativité. Il y a tant de complexes, il y a tant d'idées préconçues que moi, au contraire, j'ai envie de dire, vous savez quoi? Non, il faut se lancer. À tout moment, à tout âge, c'est la pire chose à faire, c'est de ne pas utiliser sa créativité. À tout moment. Voilà, c'est le plus grand risque que vous prenez, ce n'est pas prendre ce risque. Est-ce que c'est le conseil que tu donnes pour ces prochains, on revient sur la crise actuelle, est-ce que c'est ton conseil pour les prochaines semaines, prochains jours? Il y a beaucoup de, dans les débats qu'on a eus, dans les talks qu'on a eus, et beaucoup de gens, dont Bertrand Piccard, disaient qu'il faut profiter de ce moment justement pour se remettre aligné. Là, ça y est, c'est terminé, donc on ouvre la suite. Ouais, mais, c'est pas terminé quoi. Tu vois, cette idée là, pour moi, tout ce travail intérieur, etc., ça se fait tout au long de la vie quoi. C'est pas quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a une pandémie ou qui continue quand il y a un déconfinement. Tu vois, ça doit être, pour moi, c'est un quotidien. Et je pense que dans les mois et dans les années à venir, la compétence la plus importante est liée à la créativité. Tu vois, si on n'est pas créatif, on est foutu. Mmh. On a vu à quel point l'incapacité à reconnaître les patterns, tu vois, on apprend les pattern recognition, de voir qu'il y a une pandémie en Chine au mois de décembre, ah non, ça ne va pas arriver jusqu'à chez nous, tu vois. Ah non, tout va bien. C'est-à-dire, l'incapacité d'anticiper, de voir le pattern arriver de 1000 km, tu vois, nous coûte très cher. Et c'est le fait qu'on est incapable de voir déjà que le monde est en fin de cycle, qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a énormément de choses. Et si nous, on n'apprend pas à improviser avec les événements qui arrivent, c'est-à-dire d'abord être à l'écoute, ensuite savoir reconnaître les bons patterns, par la suite jouer avec, tirer les bons leçons et appliquer et agir au quotidien, au niveau individuel, on est foutu.
Déjà, quand tu sais que la technologie va remplacer, tu vois, 80% des métiers en 2050 n'ont pas encore été inventés, selon ce qu'ils disent les experts. C'est quand même dingue. Ça veut dire qu'il y aura quand même énormément de personnes qui risquent de se trouver sans boulot. Donc, il va falloir qu'on sache se réinventer. Pour se réinventer, il faut savoir ce qu'on veut. Pour savoir ce qu'on veut, il faut être créatif. Tu vois? Pour se réinventer, il faut être créatif. Il faut être à l'écoute. Donc, ça, c'est les compétences les plus importantes à développer pour la planète et pour nous-mêmes. Ainsi qu'une intelligence émotionnelle à gérer tous ces changements, c'est-à-dire qui implique une introspection. Quelles sont mes valeurs? Si là, je perds mon boulot, est-ce que je peux survivre? Qu'est-ce qui fait que je tiens, quoi? Est-ce que c'est mon boulot? Est-ce que c'est mon projet? Est-ce que c'est quelque chose d'autre qui m'aligne, qui me donne sens? Où est le sens? Donc voilà, c'est ces questions extrêmement pertinentes qui nécessitent un changement de paradigme et se réapproprier sa propre créativité. Parce qu'on ne peut pas la sous-traiter. Merci Aaron Herman. Plaisir, merci à toi. Merci à tous. Deux rendez-vous quand même à mettre dans vos agendas. Le premier, c'est samedi prochain. On engage également un autre événement qui s'appelle 2044. Et le thème, c'est comment engager la jeunesse européenne pour inventer le monde de demain. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook de Moho également. Il y aura une conférence qui sera animé par Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, pardon, et puis quelques jeunes Européens qui viennent de différents pays. Et puis un autre rendez-vous qui sera le 25 juin avec Hélène Patton, qui est la petite fille du général Patton. Donc là, on va retourner sur les logiques du D-Day. Et je ne dirais pas qui m'a prêté cette phrase, mais je dirais que donc Hélène Patton débarque. Voilà. Merci, Yaron. Il fallait que ça soit clair. Voilà, c'est le 25 juin. On va reparler du collectif, du collaboratif, avec certainement la collection la plus importante qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, puisque c'est celle du débarquement. Merci encore une fois, Yaron Herman. Merci à tous d'avoir été présents. C'est donc la fin de ce premier cycle des Moho Talks sur le collectif. J'espère que ça vous a autant plu que ça nous a animé, motivé pendant ces quelques semaines et quelques mois. Merci Yaron, merci à tous, à très bientôt pour des prochains rendez-vous avec Moho.